Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. On y va. On a une personne qui est attirée par vous ici. Hein? Et en plus, on nous dit que c'est quelque chose, apparemment, c'est réciproque. C'est ce qu'on nous dit. Ça veut dire que toi aussi, tu peux te sentir, tu vois, comme très attiré par une personne. Et c'est faux parce que j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose, tu vois, qui pousse la personne à venir vers toi petit à petit. Tu sais, c'est la personne en mode, non, j'y vais pas, je résiste. Et au final, ben, la personne, en réalité, qui avance dans ta direction, ben, qui oublie, en réalité, tu vois, qu'elle avait des résistances. Je te dis ça comme ça. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que... Ah, ben, t'es en train de mettre quelqu'un d'accord ici. T'es en train, tu vois, comme de donner envie à une personne de plus en plus. Hein. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Tu lui donnes de plus en plus envie de venir en ta direction. Oui. Et on nous parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où jusqu'à maintenant, c'est la personne, tu sais, qui se disait, ah non, c'est pas bon. Je ne dois pas me laisser aller, tu vois, à cette attraction. Je ne dois pas venir en ta direction. Je ne dois pas, j'ai envie de dire, comme... Je ne dois pas dévier de mon chemin. Non, je dois rester une personne correcte. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui... Tu sais, c'est la personne qui a l'impression de perdre la tête, en fait. Je me dis, je ne vais pas me rapprocher. Je me dis, en réalité, attends, c'est pas normal ce que je ressens à l'intérieur. Ça peut virer ou n'importe quoi, tu vois, du jour au lendemain, puisque, je te dis, hein, la personne, elle a l'impression, tu vois, d'être addict. Tu vois, c'est... Avec l'addiction ici, c'est... C'est le genre de situation, tu... Non, je ne vais pas. Oui, viens quand même. Tu vois, c'est... Tu ne peux pas résister. C'est comme si hier, la personne s'est promis. Moi, je vais avancer dans ta direction. Non. Finalement, aujourd'hui, c'est la personne qui change d'avis. Et c'est la personne qui dit, bon, écoute, une petite rencontre. Non, une seule rencontre, ça ne va pas me tuer. Tu vois, c'est comme la personne qui dit un seul petit verre, après je rentre chez moi, tu vois, qui boit 10 verres et puis qui finalement finit par dormir chez toi, tu vois, c'est un peu la même situation, c'est... Je peux pas. Non, j'ai essayé, tu vois, de me dire que je venais pas, j'ai essayé, j'ai envie de dire, comme de résister à la tentation, de résister à ta personne, mais... C'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois, c'est... Tu donnes envie, quoi. Je vois pas ce que tu veux que je te dise d'autre. Hein. On a vraiment cette impression ici, vous voyez. On te dit c'est ton ex qui débarque. On te dit c'est la personne en réalité qui décide. De, petit flashback. Je me suis réveillée. Je constate que j'ai rêvé de toi. Je constate en réalité, tu sais, que il y a vraiment, tu vois, la notion de manque. En fait, tu me manques. Tu me manques et il fait froid ces temps-ci, tu vois, je ne suis pas forcément dans mon assiette, j'ai besoin d'un peu de chaleur, j'ai besoin, tu vois, comme d'une personne en réalité qui me fera me sentir un peu plus au chaud, tu sais, le chauffage il est en panne chez moi, donc on a vraiment, tu vois, comme une situation où des capricornes, des verseaux et des poissons, on nous montre que c'est quelqu'un qui, enfin, j'ai attendu longtemps, tu sais, je me suis dit, mais non, je suis quand même plus balèze que ça, moi Bernard, enfin... Bon, Patrick, Jean-Jacques, tu vois, moi, je me suis dit en réalité que, voilà, c'était la dernière fois, en fait. Oui, c'est la dernière fois. Tu me brises, en fait. Tu me fais du mal. La personne dit que tu lui fais du mal. Ah bon? La personne dit que tu lui fais du mal. Ah bon? La personne, elle a réellement cette impression. Ici, on nous parle d'âme sœur. C'est la personne qui se dit, ouais, je suis sûre que toi, enfin, je sais pas, on était peut-être censé se rencontrer. On était peut-être censé vivre un truc ensemble. Je sais pas, il devait se passer un truc entre nous et... Je comprends pas, ça fonctionne pas en fait. Tu sais, c'est limite une personne qui t'aime, mais la personne qui réalise que je t'aime, mais je te fais du mal. Tu m'aimes, mais peut-être tu me fais du mal aussi, tu vois. Bon, on ne nous dit pas encore, je vais te dire ça. Mais on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est une situation où on ne peut pas s'aimer et se faire du mal en même temps. On ne peut pas s'aimer et avoir peur, tu vois, d'être addict. En fait, la personne, elle a peur d'être addict à toi. Ça veut dire que moi-même, je décide de me laisser aller à mes sentiments. Je décide de me laisser aller à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi, j'ai envie de te dire, si tu prends le temps de t'installer dans mon cœur comme ça,
contrat indéterminé, tu pars pas. Hein. C'est vraiment ça. C'est la personne en réalité qui. Je suis en crise à l'idée de savoir que peut-être un jour tu vas te réveiller et tu vas me regarder, je vais dire, attends, j'ai passé tout ça d'années de ma vie à tes côtés, c'est. Tu lui mets la pression. Non, je te dis ça, tu mets la pression à la personne. C'est vraiment ça. Tu lui mets la pression et tu pousses cette personne en réalité, tu vois, à réaliser. Que si éventuellement tu n'es pas toi-même à l'aise à l'idée de venir en sa direction, c'est que les personnes rusées, malhonnêtes qui font du n'importe quoi, tu connais. Les personnes en réalité qui, voilà, tu es mon âme sœur, nanana, la femme de ma vie, l'homme de ma vie, et puis qui demain matin, tu vois, se transforme en loup dans la bergerie, on connaît, tu vois, c'est. Enfin. Vous êtes difficile, hein, les deux. Hein. Non, je vous dis ça comme ça. Vous êtes difficile. Hein. On nous parle vraiment, pour moi, de situations où on a envie de se stabiliser à tes côtés. Écoute bien ce que je vais te dire. On a envie de se stabiliser à tes côtés. On a envie de se dire, en réalité, on oublie les amis. On oublie la boisson. On oublie la promenade. On oublie, tu vois, toutes sortes de situations qui pourraient nous éloigner de toi. Mais de l'autre côté, on se dit, attends, moi-même, si j'arrête la promenade, que je décide de venir en ta direction et que demain, tu décides toi-même de me quitter, je vais me retrouver seul face à ma propre personne devant le miroir. Si je décide de laisser les amis de côté, de m'investir pleinement dans notre relation et que demain, tu décides que tu n'as plus envie de voir ma tête le matin quand tu te réveilles, je vais me retrouver sans amis. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui. Tu sais, c'est la personne qui a l'impression qu'elle doit tout quitter pour venir vers toi. Tu sais, c'est. Je viens en ta direction, je dois quitter la famille, les amis, mon travail. C'est. Bon, peut-être t'habites dans un autre pays qu'elle, je ne sais pas. Mais on a vraiment cette impression que c'est. Limite, c'est comme si une personne que tu envoyais en prison. Non, je te dis ça comme ça. On a vraiment cette impression que le mot engagement, c'est pour cette personne, c'est prison. Hein, c'est la case prison. Ne passez pas par la case départ. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qui lui fait peur. C'est la personne qui a l'impression, tu sais, elle serait derrière la fenêtre comme ça, à regarder Bernard et Philippe, tu vois, aller regarder, je sais pas, un concert, tu vois. Et puis là, l'autre est là, tu sais, et puis je ne pourrais pas sortir. Et puis Bernard et Philippe vont partir au concert. Moi, je vais rester là. Tu sais, c'est ce qui lui fait peur. Et c'est ce qui fait en réalité, tu vois, que la personne, ben, elle n'est pas forcément en mesure de venir vers toi, puisque c'est la personne qui se dit, attends, t'imagines, je vais moi-même m'enfermer dans une situation, Bernard et Philippe partent en concert, moi je suis là. Tu vois, c'est vraiment ça. Je te donne un exemple, tu vois, pour imaginer le truc. Mais c'est pour te montrer en réalité, tu vois, à quel point ben, s'engager aux côtés d'une personne, c'est tu déclenches une maladie chez cette personne-là. Non, je te dis ça, tu déclenches une maladie chez elle. Ici, on nous parle de guérison et de calme. Donc, c'est la personne qui sait en réalité, je dois me maîtriser. Non, il faut que j'arrête de partir dans tous les sens. Il faut que j'arrête de croire en réalité, tu vois, que tu pourrais me faire du mal, que demain, tu aurais. Peut-être tu vas me tourner le dos, je sais pas, mais il faut que j'arrête ça. Non, comme mes envies, tu vois, par moment, quand je ne suis pas forcément dans mon assiette de partir en promenade, il faut que j'arrête ça. Non, il faut que j'arrête ça, mais c'est la personne, je ne vais pas te mentir, la personne a du mal. Hein. Non, je te dis ça, je veux une vie à deux. Tu vois, mais m'empêche pas d'aller au concert. Je veux qu'on fonctionne ensemble, mais. De temps en temps, laisse-moi regarder Netflix tard le soir. Tu vois, c'est, il faut me laisser faire ce que je veux un peu. Tu vois, si je sens, écoute, hein, si je sens que je ne suis pas bridée par toi, hop, je viens, on est là, on avance, on fait des projets, on fait des bébés en même temps, on fait tout, tu vois. Mais du moment où je réalise en réalité que tu vas m'enfermer dans un truc et tu vas m'empêcher, tu vois, comme de vivre ma best life, parce que, en fait. Le but d'être avec toi, c'est d'avoir un équilibre. La personne va te sortir des mots. Attends. Le but d'être avec toi, c'est d'avoir un équilibre. J'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma famille, mes amis, les concerts avec Philippe et Bernard. Et toi, de l'autre côté, tu vois, ça vient parfaire mon bonheur. Tu vois, c'est juste ce que je demande. Mais j'ai l'impression en réalité que tu me caches des choses. Tu vois, j'ai l'impression en réalité que tu vas me laisser venir. Oui, viens t'installer, t'inquiète pas, je ne veux pas devenir difficile avec toi. Après, tu me demandes de faire la vaisselle, de passer le balai, il faut que je repasse les linges. En fait, enfin. Non, la personne est difficile. Hein. C'est la personne en réalité, tu sais, qui. La personne est déjà dedans.
Si aujourd'hui tu pensais me demander, est-ce que la personne est dedans? La personne est dedans. La personne est déjà dedans. La personne est noyée dans l'amour. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, les cancers, les lions et les vierges, c'est que la personne sait. Donc ça veut dire que tu lui as déjà montré un petit aperçu, tu vois, de la personne que tu étais, peut-être en période de crise, peut-être en période de fâché, tu vois, c'est on est fâché. En fait, c'est ça ton problème. Non, je vais t'expliquer. Ton problème, c'est que toi, tu es une personne très calme. Tu vois, mais derrière le masque du calme, il y a une personne en réalité qui peut t'arracher les yeux si vraiment tu fais quelque chose de pas bien. Et je crois que c'est cette partie de ta personnalité-là qui lui fait peur. Mais c'est la personne, hein, de toutes les façons. Écoute, on ne se fâche pas pour rien. Les gens ne se réveillent pas le matin pour se fâcher comme par hasard. C'est la personne qui sait en réalité que, bon, on va pas mentir, quand je fais mon introspection, je sais que si tu te fâches, c'est parce que j'ai fait quelque chose ou qu'on n'a pas été d'accord, tu vois, sur un point qui fait en réalité, bon, là, tu peux partir dans tous les sens, mais quand tu pars dans tous les sens, tu pars vraiment dans tous les sens. Et c'est la personne qui, on a l'impression qu'elle n'a pas encore vu si tu avais des limites ou pas. C'est ce qui lui fait peur. Écoute, ce qui fait peur à cette personne-là, je veux tout te dire, comme ça, si je veux partir avec elle, tu l'embarques seulement. Ce qui lui fait peur à cette personne, c'est qu'elle décide, tu vois, avec le déménagement ici, hop, j'avance avec toi. J'ai déjà vu, tu étais une personne très gentille, très douce et très aimable. J'ai déjà vu un petit aperçu de toi quand tu étais fâchée. Et franchement, je me suis demandé si j'aurais pu te maîtriser si vraiment tu t'attaquais à moi. Donc ça veut dire pour certains, vous vous fâchez pas, vous n'êtes pas le genre de personne à vous fâcher, vous êtes des dangereux. C'est ce qu'on nous montre, vous êtes des personnes dangereuses et c'est ça. Est-ce que si j'habite avec toi, tu vas pas me dire prends tes clics et tes claques, je balance ça par la fenêtre seulement, tu n'auras pas le temps de passer par la porte. C'est ce qui lui fait peur en fait. Pour certains, on peut rien vous reprocher, vous voyez, dans la relation de manière générale. On va passer aux choses sérieuses. On peut rien vous reprocher, vous voyez, dans la relation de manière générale. Mais c'est la personne qui sait que un petit rien peut te faire partir, tu vois, dans tous les sens parfois. Mais c'est la personne qui peut, comme je te disais tout à l'heure, peut-être je t'ai pas dit, mais c'est la personne en réalité, tu sais, qui elle arrive pas, tu vois, à se mettre de ton côté. Donc pour certains, ça veut dire, si on veut aller bien loin dans sa tête, ça veut dire que vous êtes le genre de personne, vous encaissez, la personne vous dit n'importe quoi, vous parlez pas, la personne vous redit n'importe quoi, vous parlez pas. Et puis la troisième fois, là, on a l'impression que pour les 3 jours précédents, vous l'assaisonnez. Et c'est vraiment ce qui lui fait peur, c'est que là, je suis chez moi. Quand tu cries, je peux rentrer chez moi. Si demain, on est dans la même maison, et puis tu te mets dans cet état-là, tu vas me chasser, c'est sûr. On a une personne qui a peur de se retrouver sans rien. Et pas sans rien en mode parce que tu vas me prendre tout mon argent, tu vas me dire on va au spa et puis au ski. Non. C'est que j'ai peur de tout quitter pour venir vers toi et de réaliser un de ces 4 matins que tu as juste envie de te débarrasser de moi en fait. Donc, en vrai, quand on regarde ça comme ça, c'est la personne qui sait, bon, je ne suis pas un cadeau. On ne va pas mentir, je ne suis pas un cadeau. Je ne suis pas la personne en réalité, tu vois, la plus adorable du monde. Je ne suis pas la personne en réalité qui, voilà, zen attitude. Le matin, petite méditation. Rock and roll le matin. Et c'est vraiment ça. C'est ce qui lui fait peur à cette personne. Tu vois, que ce soit une femme, comme on voit là, ou que ce soit un homme, les gens, je vous dis. Ce qui lui fait peur en réalité, c'est que. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est la personne qui a toujours eu un filet de sécurité. Écoute, je pars en relation avec Alice. Écoute, hein, j'ai quand même un petit studio là à côté, au cas où on rentre chez moi seulement. Mais là, on a vraiment cette impression qu'avec toi, c'est différent. Ça veut dire que toi-même, tu as les yeux partout. Tu es sûr? T'es sûr en réalité que tu as rendu l'appartement? Viens, on va rendre ensemble. Tu vois, t'es le genre de personne. T'aimes pas qu'on te ment. T'aimes pas en réalité, tu vois, quand on joue de toi. Donc ça veut dire que tu peux être là, tu vois. T'as brossé tes dents, t'as mis du parfum, t'as fait ci. Limite, j'ai vraiment cette impression que c'est. Le truc, c'est que l'autre sait que quand tu agis comme ça, c'est pour prendre soin de lui ou pour prendre soin d'elle. Mais c'est la personne qui se dit, ouais, mais quand même, je sais que je. Ah mince, j'ai oublié, je vais brosser mes dents. Tu sais, c'est.
C'est fou parce que d'un côté, c'est rassurant de savoir que tu es là, et de l'autre côté, c'est le truc qui fait grave flipper parce qu'on se dit, attends, est-ce que tu vas pas sortir du miroir là? Tu sais, est-ce que tu vas pas sortir du miroir là? Bon, le déodorant, t'as oublié. C'est ce qui lui fait peur. C'est j'ai peur que tu sois trop sur mon dos. J'ai peur en réalité que tu agisses avec moi ben, comme tu agis avec tes enfants. Oui, pour certains ici, vous avez des ados, ça se voit. La personne nous dit, vous avez des ados. Et que vous êtes tout le temps derrière eux. Et c'est pour ça, est-ce que tu ne seras pas derrière moi comme tu es derrière tes ados? Moi-même, ça me fait peur. Tu vois? Et j'ai déjà vu en réalité que quand tu étais fâché, donc ça veut dire la personne, elle a déjà côtoyé plus ton environnement. La personne, elle a déjà côtoyé plus ta personne. Et puis peut-être même tes enfants. Et je reste zen. Tu ne mets pas les enfants dehors. Je merci. Tu vois, Bélier, Taureau et Gémeaux, vous ne faites pas ça. Vous n'êtes pas dans la méchanceté. Mais par contre, c'est la personne qui sait en réalité que. Écoute, tu peux aller au concert. La personne sait, hein, c'est son. Bon, sa peur. Pour rester poli, on a vraiment des balances, des scorpions et des sagittaires. La personne sait en réalité que vous n'allez pas lui faire du mal. Non, je te dis ça vraiment. La personne sait que tu vas pas lui faire du mal, mais c'est la personne qui. Moi-même, je sais que tu vas t'attendre à ce que je sois la meilleure version de moi-même. Je sais que tu vas t'attendre en réalité à ce que je sois une personne irréprochable. Tu brosses tes dents, tu nettoies tes oreilles, tout ça, ok, tu peux partir. La personne sait que si tu fais ça, c'est pour que, voilà, t'arrives, voilà, qu'il ou elle arrive, tu vas dans un lieu, t'as oublié de te baigner ou de mettre du parfum, tu sais. Cette personne-là sait qu'elle ne sera pas dans des situations complexes ou dans des positions complexes par rapport à toi, mais c'est la personne qui sait en réalité que, bon, écoute, moi-même, si le week-end, j'ai envie de rester là, dormir, ne rien faire et puis ne pas me baigner, je peux faire ça aussi. Alors, ça veut dire que le week-end aussi, je serai obligée de me réveiller et puis de bosser mes dents, tu vois. C'est. La personne a vraiment cette impression, tu sais, que c'est. Genre, t'as pas de dimanche, quoi. Tu vois, t'as pas de dimanche, t'as pas de samedi, t'as pas de jour férié. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas lui prendre la tête, alors que pas du tout, en fait. Mais je crois que c'est juste, tu vois, histoire de se rassurer dans sa peur. Et puis pour se rassurer, tu sais, bon, voilà, parce que, voilà, en même temps, ça m'évite de tomber accro. Mais je veux pas te mentir, je veux pas te mentir, je te dis les choses comme elles sont. La personne a peur que tu lui ouvres la porte un jour et que tu lui dises, ah bon? La porte est grande ouverte. Glissez, monsieur, ou glissez, madame. On n'a plus le temps ici. Tu vois, c'est ça. Ça lui fait peur, puisque la personne, en réalité, je ne vais pas te mentir, hein, on dit tout. Toujours eu un filet de sécurité. Avec toi, il n'y aura pas de filet de sécurité parce qu'on a l'impression que tu as des yeux. Ouais, rayon laser. Tu vois, tu verras. Si j'essaie de garder un petit studio ou un petit appart, au cas où, tu sauras. Si je décide en réalité, tu vois, comme de ne pas mettre du déodorant quand je vais passer, tu vas sentir ça. Donc, en fait, la personne a peur que ça se passe mal, puisque de la même façon où tu peux être une personne très douce, c'est ta douceur qui fait peur. C'est parce qu'on se dit, dans ta douceur, là, il y a un truc qui cloche, tu accumules. Et exploser, on n'a pas envie de te voir exploser, puisque la personne se dit, moi-même, c'est danger pour moi, là, si un jour tu décides, tu vois, de te fâcher, c'est danger pour moi si tu décides un jour, tu vois, de te mettre dans tous tes états, c'est parce que vous êtes le genre de personne fidèle et loyale, vous voyez, on nous le montre, hein, vous êtes le genre de personne sincère, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, toi-même, tu es une personne droite dans tes bottes, tu attends, tu vois, à ce que les personnes soient exactement pareilles avec toi, donc ça veut dire que ton téléphone est là. Bernard, réponds pour moi. Bernard, réponds. Tu vois, réponds pour moi. Écris le message. La personne écrit le message, mais Bernard sait que, à contrario, portable, je peux répondre. Tu vois, c'est la personne qui. Bon, peut-être que je ne vais pas lui dire ça quand même, mais c'est la personne qui sait en réalité que moi, je ne serais pas forcément en mesure d'agir comme ça avec toi, puisque. On va pas mentir, hein, j'ai toujours peur, tu vois, que Philippe arrive et me dise, bon, samedi, est-ce que tu vas sortir en douce pour aller boire le verre? Est-ce que vraiment on va toujours au concert? Et puis peut-être je t'avais pas encore demandé avant. En fait, c'est la personne qui veut éviter les problèmes, mais la personne qui se fait du mal. Et comme la personne se fait du mal, ben, la personne, elle arrête de se faire du mal. Elle se dit, c'est quoi? Écoute, on a trop parlé aujourd'hui, hein. On s'est trop fait de mal, hein, tu vois, depuis le jour où on s'est rencontrés. Je suis dingue de toi. La nuit, je rêve de toi. C'est pas grave. Bon, j'irai quand même au concert, mais une seule fois par mois. Par contre, viens, on vit un truc vrai. Non, viens, on vit un truc vrai. Viens, on essaie, tu vois, quand même. Je ne vais pas te mentir, hein, si tu me prends la tête, ta personne, elle peut te dire ça. Je te dis, écoute bien.
Si je vois que ça fonctionne pas entre nous, c'est pour te mettre la pression, pour que tu cries pas, tu vois, après lui ou après elle. Si tu me mets la pression, moi-même, je vais pas rester là. Mais c'est tout ça pour te faire croire en réalité, bon, c'est bon, je suis sur mes appuis, je suis décidée. La personne tremble de l'intérieur. De cette personne-ci, vous aurez la possibilité, voyez, de vivre une relation avec elle, si vous voulez. Et on nous parle, voyez, comme d'une personne en réalité qui va se montrer ou essayer, voyez, de se montrer plein de confiance, mais c'est une personne qui ne sera pas du tout en confiance. Non, je te dis ça comme ça, mais c'est la personne, tu vois, qui arrive avec son SMS là, c'est alors, coucou, voilà, samedi un verre à Montparnasse, voilà, je viens te chercher, et puis toutes ces choses. Et bon, tu fais tout toi-même, tu verras ce que tu en feras de cette situation. La personne n'a pas l'intention, tu vois, de te trahir. La personne se dit, par contre, j'ai de mauvaises habitudes. Peut-être que Huguette, que je n'ai pas croisée depuis 5 ans, peut décider un de ces 4 matins de m'envoyer un SMS. Tu sais, c'est le genre de personne qui ferme jamais de porte. Filet de sécurité, tu vois, c'est ça. La personne ferme jamais totalement les portes, donc a toujours un filet de sécurité. Donc, si un jour je suis dans la douche, mon portable sonne, ouais. Et puis tu vois, c'est écrit Huguette, ouais, problème. Tu vois, c'est. Ça lui demande de changer toute sa vie, en fait. Ça lui demande de laisser, tu vois, ces côtés où. Oui, ces côtés un peu, j'ai envie de dire. Bon, allez, un peu laxiste de côté pour vraiment s'investir à tes côtés. Je vais pas te mentir, hein, si tu lui faisais pas envie, la personne ne se serait pas fait mal à la tête. Tu vois comment la personne se fait du mal pour venir dans ta direction. Tu vois en réalité combien de fois la personne tourne en rond avant de se dire, allez, j'y vais, je me lance. Non, toi, tu as un truc, hein, il faut qu'on te voie. Nous-mêmes, il faut qu'on te voie, il faut qu'on te rende compte parce que c'est pas normal. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.